قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Le compagnon Abdullah ibn Umar radiallahu anhu nous dit ceci. Une fois qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme parmi les Ansar et qui vivait à Médine est venu voir le prophète en lui demandant « Ô messager d'Allah, qui est le meilleur des croyants ?» Il lui répondit alors « C'est celui qui est le meilleur en comportement. » Et le compagnon posa une deuxième question « Qui est le plus intelligent parmi les croyants ?» Il lui répondit « C'est celui qui se rappelle le plus de la mort. C'est ce type de musulman qui est le mieux préparé à ce qui vient après. » Ce sont les plus clairvoyants, les plus intelligents parmi les musulmans. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte à propos de nos actions. Les actions sont certes jugées par leurs intentions. Mais dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wassalam nous dit qu'une des choses les plus importantes est comment est-ce que notre vie se termine. On pense à la mort qui est tel un antivirus qu'on a sur notre ordinateur. En téléchargeant un fichier qui provient d'un mail suspect, notre ordinateur nous demande si on est bien sûr de vouloir le télécharger. Quand on pense à la mort, c'est comme un programme qu'on possède au fond de nous-mêmes, qui nous fait réfléchir à deux fois afin de savoir si ce qu'on fait nous sera profitable ou pas lorsque nous serons devant Allah. Lorsqu'une chose est mauvaise, quelque chose de haram, cette sorte de programme qui apparaît en nous ressurgit soudainement, nous rappelant que cette action qu'on est sur le point de faire nous sera présentée de nouveau au jour du jugement. Mais aussi du côté positif, la mort nous motive. Elle nous motive à nous dépêcher de faire du bien, parce qu'on sait que la vie est courte et qu'à tout moment, elle peut arriver à sa fin. Nous sommes nés il y a quelques années, mais dans 50 ans, qui pourra dire de source sûre qu'il sera encore en vie. Et peu de temps après la fin de notre vie, les gens ne sauront même pas que nous avons existé. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a absolument tout vu. Et tout est consigné dans notre écrit. C'est pour ça qu'on voit des gens qui se précipitent pour faire du bien en se disant « C'est peut-être la dernière bonne action que je fais de ma vie. Et cette même action m'amènera peut-être au paradis. » Se rappeler de la mort ne doit pas être quelque chose à quoi on veut absolument éviter de penser. Cela peut soit nous motiver à faire du bien, soit nous empêcher de faire n'importe quoi et nous empêcher dans l'au-delà d'être avec ceux qui ont choisi le mauvais chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait souvent de la mort et regardez ce qu'il disait. Rappelez-vous fréquemment de la destructrice des plaisirs. Il nous dit deux choses à ce propos. Quand vous vous rappelez de la mort, quand les choses deviennent difficiles, compliquées et ont l'air impossibles à surmonter, se rappeler de la mort va vous rassurer. Car vous saurez que cela ne durera qu'un temps et que tant que vous vous comportez bien, vous pourrez ensuite vous reposer éternellement. Lorsqu'on vit un moment plaisant, on se rappelle de la mort et on verra ce bienfait de la part d'Allah de la meilleure des façons. On reçoit une promotion, un salaire, un diplôme, le mariage ou bien un enfant, on réalise directement que tout cela aura une fin et qu'on doit donc en profiter de la façon qu'il convient. Un jour, le compagnon Al-Bara ibn Azib a dit qu'il était avec le prophète alayhi salatu wassalam et d'un coup, ils ont vu des gens qui se rassemblaient quelque part. Et le prophète alayhi salatu wassalam demandait pourquoi ces gens se réunissaient. Les compagnons ont répondu « pour creuser une tombe ». Et le compagnon nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous a immédiatement laissé et a couru. Il a couru vers ce groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wassalam est tombé sur ses genoux, juste devant la tombe. Et il s'est mis à pleurer, pleurer d'une telle intensité que le sable sur lequel il était a fini totalement mouillé. Après ça, il a regardé ses compagnons en leur répétant, mes frères, soyez préparés pour cela, soyez préparés pour cela, soyez préparés pour cela. قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « L'un d'entre vous accomplit les actions des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis. Puis il écrit le précède, il accomplit les actions des gens du feu et il entre dans le feu. Un autre d'entre vous accomplit les actions des gens du feu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le feu. Puis il écrit le précède, il accomplit les actions des gens du paradis et il entre au paradis. » Il y a l'histoire très connue d'un homme qui est venu en se précipitant dans un centre islamique de la ville de Brooklyn. En disant de façon précipitée, « Je veux me convertir, je veux me convertir, je veux me convertir. » Les gens étaient étonnés et lui ont demandé quelle était son histoire. Il a répondu, « Ne me posez pas de questions, dites-moi juste comment entrer dans la religion. »
On lui a dit d'aller prendre un bain et lorsqu'il l'a fait, il est revenu en demandant directement ce qu'il devait faire maintenant. On lui a dit qu'il devait réciter la shahada, ils lui ont montré la suite et directement il a commencé la prière. Le premier jour, les 5 prières, le lendemain, les 5 prières. Et le troisième jour, la même chose. Mais après la prière du Maghrib, un frère est venu le voir. Il était musulman depuis longtemps et en voyant ce musulman fraîchement converti, il l'a regardé et lui a dit « Raconte-moi ton histoire, parce que la façon dont tu pries, la passion que tu as l'air d'avoir, tu pleures, tu es tellement ancré dedans. Et Allah sait mieux, mais je me suis senti touché et honteux par ta présence. Tu es musulman depuis quelques jours et tu es déjà à ce niveau. J'ai été musulman toute ma vie et je n'ai jamais pu ressentir ça. Alors raconte-moi ce qui t'est arrivé. » Il lui a dit « Pendant ma vie d'avant, je n'étais pas musulman, mais j'étudiais toutes sortes de religions. Que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, ainsi que d'autres croyances. Mais j'étais convaincu qu'il y avait un créateur. Mais je ne savais pas quel système, quelle religion suivre. J'ai fait des recherches encore et encore. J'en suis arrivé à aller dans une librairie et j'ai lu des livres à propos de l'islam. Et il y a une chose qui m'a vraiment marqué, c'est quand Allah dit dans le Coran « Ils ont certes mécru, ceux qui disent « Allah est le troisième de trois ». Et dans un autre verset, ils ont mécru ceux qui disent qu'Allah s'est attribué un enfant, qu'Allah nous en protège. Et il a dit, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ça n'avait pas de sens. Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'a pas d'enfant, pas de parents, pas de partenaire ou d'associé. Et c'était ce qui lui était le plus raisonnable et le plus logique de ce qu'il avait étudié. Et cette nuit-là, j'étais bloqué sur ça. Je n'admettais pas encore que l'islam est la vérité. Mais ça avait beaucoup de sens pour moi. Et cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré encore et encore. Et j'ai prié Allah de me guider vers la vérité. Peu importe ce qu'est la vérité, montre-moi ce qu'est la vérité. Il a ensuite dit qu'il s'est endormi et dans son rêve, il a vu Isa alayhi salam le regardant et lui disant fermement « Suis Muhammad, suis Muhammad, suis Muhammad ». Et quand je me suis réveillé, j'ai couru à la mosquée. Si vous vous rappelez quand je suis venu en courant, peu importe les questions, dites-moi juste comment devenir musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également « Ne soyez pas impressionnés par les actions de quelqu'un jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur fin ». Ensuite, l'homme dit à l'autre, j'ai donc fait ce rêve, je suis venu directement à la mosquée, et c'est comme ça que je me suis converti. Il venait juste de finir la prière de Maghrib, et ensuite est venue l'adhan de la prière de Aïcha. L'imam appela les musulmans et ils ont commencé la prière. L'homme se mit au premier rang avec un groupe de personnes, et quand ils sont arrivés à la première sajda, la première prosternation, l'imam dit « Allahu Akbar » afin de se relever. Mais l'homme restait prosterné. Ils sont arrivés à la deuxième prosternation et ils restaient dans la même position. La deuxième rakat, puis la troisième, suivie de la dernière. Et ensuite, ils prononcèrent les taslim, les salutations finales. Mais le frère en était encore à sa première prosternation. Les gens pensaient qu'il était extrêmement fatigué et qu'il dormait. L'imam l'a appelé, mais il ne répondait pas. Ils ont recommencé plusieurs fois, mais cela ne le réveillait pas. L'imam dit alors à son voisin d'un peu le bousculer. Et lorsqu'il l'a touché, il s'est effondré et ils se rendirent compte que la vie de cet homme était terminée. Seul Allah connaît la sincérité de ce qu'il a créé, mais ce type de mort, ce n'est pas tout le monde qui peut en profiter. Un autre récit d'un homme qui était à bord d'un bateau qui a fait naufrage. On l'appelait le Salam Express. Après un problème qu'a rencontré le bateau, il a commencé à couler et le mari a couru vers la cabine cherchant sa femme. Lorsqu'il l'a trouvée, il lui a dit « Abandonne tout ce qui est inutile et cours pour ta vie. Le bateau est en train de couler. » Elle lui a répondu qu'elle voulait d'abord mettre son hijab. Il lui a répondu « Es-tu folle? Cours pour ta vie, le bateau coule. » Sachant que dans les règles islamiques, elle avait le droit de partir sans son voile, car c'est un cas de force majeure et sa vie est en danger. Elle a dit « Non, je dois mettre mon hijab. » L'homme était choqué car le bateau était en train de couler. Elle a dit « Wallah, que je ne voudrais jamais mourir, à part sur un acte d'adoration. » Quand elle est venue sur le pont supérieur, et elle s'est rendue compte que tout était sur le point de se finir. Les gens étaient en train de crier, en train de se noyer. Presque tous les bateaux de sauvetage étaient partis et tout le monde craignait pour sa vie. Elle a alors regardé son mari en lui demandant « Es-tu satisfait de moi ?» Il était choqué par la question. Comment pouvait-elle lui demander cela dans une pareille situation? Elle voulait seulement la réponse. « Es-tu satisfait de moi ?» Il lui a répondu « Oui, bien sûr. Tu es une bonne épouse. Je suis heureux avec toi. Tu as toujours été une bonne femme. » Elle a dit « Alhamdulillah ». Elle a ensuite prononcé la shahada. Le frère qui a donc survécu et qui a raconté l'histoire a dit au cheikh « Wallahi al-azim, je n'ai jamais vu ma femme après ça. » Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la même fin à tout le monde. Certains meurent en délit de fuite, en commettant un crime ou en faisant des ballons. Et d'autres qui mourront en pleine adoration et réussiront au jour de la résurrection. Demandons donc à Allah de mourir sincèrement et de la meilleure des façons. La dernière histoire, la plus choquante, s'est passée dans un appartement où vivait un frère qui était étudiant. Étudiant en sciences islamiques. Parfois, quand bien même votre maison soit abreuvée et baignée par la lumière de la foi, on voit des fois deux voisins qui habitent juste à côté, avec l'un qui pratique correctement sa religion et l'autre qui néglige totalement ses obligations. Son voisin du dessus ayant un balcon, à chaque fois qu'il mettait de la musique, il pouvait l'entendre.
Le frère commença à être gêné et irrité. Et il commença à lui parler d'islam, la famille en islam, en lui faisant de la darwa. Mais cela n'a servi à rien. Il n'a pas changé, pas commencé à prier, et il a continué à vivre sans que la religion ne l'ait intéressé. Il a dit « J'ai fait de mon mieux, et un jour, j'étais dans mon appartement. J'entendais d'un coup énormément de pleurs et de cris qui provenaient de cette famille. Je me suis précipité, j'ai toqué à la porte, demandant si tout allait bien. On lui répondit, le docteur est venu et nous a dit que notre père, ce même homme qui ne voulait rien entendre à l'appel à l'islam, il était sur son lit de mort. Et c'est peut-être son dernier jour. Il nous a dit de rassembler le maximum de personnes pour lui dire au revoir. Le frère a alors dit au cheikh, Wallah, et j'étais là-bas, mais j'étais tellement, tellement énervé. Mais pourquoi le frère était-il énervé? C'est parce que ce jour-là, ils étaient en train de jouer sa musique préférée. Une musique dont les paroles n'ont clairement aucun doute, pour savoir si dans notre religion, elles sont autorisées. Il entendait donc cette musique avec ce langage inapproprié. Et il a dit à un enfant, « Mais ton père est en train de mourir, il est sur son lit de mort, sur le point de mourir. Et vous jouez sa musique préférée ?» Une chanson qui prenait tout et n'importe quoi. Et on lui demanda ce qu'il pouvait leur suggérer. Il leur dit qu'à la place, il valait mieux mettre du Qur'an. Mais la famille n'avait aucun exemplaire du Qur'an, et c'était il y a tout de même quelques temps. Et donc les exemplaires du Qur'an n'étaient pas sur un smartphone, mais sur des cassettes. Le frère est donc retourné à son appartement, a pris une cassette, et est retourné à son appartement pour leur faire écouter le Qur'an. Pendant l'agonie de la mort, celui ou celle qui est sur le point de mourir passe des états conscients et inconscients à certains moments. Le frère a alors dit, pendant toute la discussion, l'homme était inconscient, et il a juré par Allah que dès qu'il a mis du Qur'an dans la pièce, l'homme a repris conscience et il a violemment dit « Éteignez ça, enlevez ça, je ne veux pas entendre ça. Remettez la musique, elle adoucit mon cœur et m'apporte de la sérénité. » Il jura que ces mots furent les derniers de cet homme et ensuite, il est mort. Qu'Allah nous en préserve et nous accorde une bonne fin. Nous ne pouvons pas dire avec certitude quel sera son destin et dire s'il ira en enfer ou au paradis. Mais ce n'est pas la manière dont un musulman voudrait finir sa vie. Le prophète alayhi salatu wassalam nous recommandait d'aller au janaza, de suivre les cortèges funéraires et celui qui fait cela obtiendra une énorme récompense de la part d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam interdisait auparavant le fait d'aller simplement visiter les tombes. Puis ceci fut conseillé, car cela adoucit les cœurs. À cause de cette vision de la vie qui n'est que très courte, et comme rappel que bientôt, ça sera aussi notre tour. Il faut donc sérieusement nous préparer à ce fameux jour. Combien de gens voient-on mourir dans leur sommeil alors que personne ne l'aurait imaginé? D'autres qui voulaient partir quelque part pour s'amuser, mais qui ne sont jamais arrivés. Et le pire dans tout ça, c'est ceux qui meurent en faisant du mal ou en étant injustes et seront ressuscités en faisant ce même péché. La mort est le moment le plus important de notre existence, car elle marque la fin de cet examen qu'est la vie, et au jour de la résurrection, nous aurons de bons ou de très mauvais résultats sur ce que nous faisons aujourd'hui. L'augmentation, la propagation de la mort subite est un signe de la fin des temps, mais beaucoup restent inattentifs à ce message clair qui nous rappelle le jour du jugement. Réfléchissons à nos actions, seront-elles agréées par Allah? Est-ce que nous sommes sûrs d'avoir une bonne demeure dans l'au-delà? En regardant et en jugeant nous-mêmes de façon honnête ce qu'on a fait comme action dans la vie d'ici-bas. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.